c'est l'apothéose à Décamé dans la commune de Kwamassé, hautement aux couleurs de la fête annuelle de nos visons, jour de la fraternité entre les filles et fils du lac Aïmé et ses chenaux. À l'occasion, une messe d'action de grâce en clôture aux activités a été dite pour rallumer la flamme de l'unité entre ses ressortissants. Pour le développement de nos cités, de nos villages et surtout des Décamé, il nous faut en premier lieu l'unité. 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 Encore l'unité. Décamé a pris le flambeau il y a un an à Koriha. On ne savait pas que Décamé allait faire mieux. Est-ce que la fête est belle? Oui. Non, je n'entends pas, peut-être parce que vous êtes fatigué. La fête est belle. Nos vies en 2018 à Décamé est l'occasion de fêtes, mais aussi de réflexion pour le développement des localités qui ont en partage le lac Aïmé et ses chenaux. Mais derrière une fête se trouve une idée, celle du devenir des populations des rives du lac Aïmé et de ses chenaux. Chaque année, vous répondez à notre invitation. Cette année encore, vous avez bravé les péripéties et les crevasses de nos routes pour être avec nous ici à Décamé. Bienvenue à vous tous. Le pape Jean-Paul II disait, je cite, « Aimer, c'est voyager ». Cette année, Novisan est placé sous le signe de la réalisation de trois projets. La réhabilitation du lac Aïmé et ses chenaux, la construction d'une cathédrale de référence et le bitumage des voies Ouida, Bomassé, Alada. Nous parlons du bitumage de la route qui réunit trois communes, Ouida, Bomassé, Alada. Et puis vous dire que le chef de l'État, M. Patrice Talon, a ce programme en mai. Il le soutient et c'est pour ça qu'il a envoyé au moins trois ministres de son gouvernement. Et en venant tout à l'heure, j'ai pris une déviation. Cette déviation est due au fait que le gouvernement a commencé déjà cette route-là. Et j'ai vu les ouvrages d'art qui sont en cours. Ce que le chef de l'État souhaite, c'est que nous puissions respecter les délais d'exécution de ces travaux-là. Après Akoriha en 2017, Décamé en 2018, c'est Bopa qui reprend en 2019 le flambeau de la fête annuelle de Novisan, trait d'union entre les peuples du lac Aïmé.